Alors, le titre de votre film, c'est Balle perdue. Pourquoi un tel titre? Pourquoi Balle perdue? Quand on regarde le film, on comprend. Maintenant, en français, le titre, ce qui me séduisait, c'est le jeu entre le masculin et le féminin. Parce qu'au masculin, balle perdue, et l'histoire, c'est l'histoire d'un mariage qui n'aura pas lieu. Aussi, alors qu'aussi dans l'histoire, il y a la balle perdue qui est une expression bien typique dans les temps de guerre, c'est-à-dire quand il y a toujours des victimes innocentes qui tombent juste par des balles perdues, et pas spécialement d'avoir guerroyé, d'avoir été sur le front. Voilà, c'est un peu pour ceci, c'est lié à l'histoire, que ce soit au masculin ou bien au féminin. C'est donc l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de Nora, mais j'avais aussi l'impression que c'était... Voilà un film sur la condition féminine de façon plus générale. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire à travers la focale d'une femme et des femmes en général? C'est-à-dire, c'est vrai que les femmes détiennent les secrets des choses, même si elles ne sont pas toujours agissantes dans le monde. En tout cas, elles n'écrivent pas toujours l'histoire de façon directe, que ce soit il y a longtemps, de nos jours, au Liban, ici. Et finalement, focaliser, ça veut dire c'est à l'épuiser, on dirait à la source, le paradoxe du monde. Je crois que les femmes détiennent ce paradoxe. أصعب أبصر ليش أبصر من داعي علينا من هيك نهار ما عدنا شفنا نهار مثل الخرب خربنا قال الدورة عالي بيروح بيروح بيرتاح الدورة عالي بيبقى C'est Nadine Labaki qui incarne Nora. Pourquoi avoir choisi cette actrice? Comment passer à côté d'un phénomène comme Nadine Labaki? Le jeu cinématographique, je le sens très spécifique, c'est un art à part, un art dramatique à part, et pas spécialement lié au théâtre, qui nécessite des éléments comme une immédiateté, un lien très direct entre l'acteur et sa propre vérité. Beaucoup d'éléments que Nadine a l'expérience et dans ce film se risent parfaitement. Alors le film se situe à la fin des années 70. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer le contexte qu'il y a autour de ce conflit qu'il y a eu? Le pays a connu vraiment des luttes entre chrétiens et musulmans, entre des facs libanais et palestiniens. C'est-à-dire et c'était des événements très durs, mais pour les gens d'alors, ils pensaient que c'était fini. Ces gens d'alors pensaient que ça y est, il n'y aura pas de guerre. C'est plus tard qu'on a compris que ça allait traîner une bonne vingtaine d'années après. Voilà, alors à ce moment-là, ce qui est important dans l'histoire, c'est des gens comme s'ils émergent d'un cauchemar qui s'est avéré n'être qu'un cauchemar de courte durée et qu'ils essaient de reprendre leur vie normale. طلع بسيارتك ومشي قدامنا وين؟ هلا بتعرف لحينك Finalement, on se rend compte que toutes ces femmes que
qu'on voit, qu'on suit, sont très seuls. Finalement, j'ai l'impression que la solitude est quand même quelque chose qu'elle partage. Là, vous en parlez, c'est vrai, quand on regarde tous ces personnages, chacune d'elles est trop tournée vers l'autre. La maman de sa fille, la sœur de sa sœur, et en plus la sœur Nora, de sa sœur aînée qui a vécu une expérience aussi triste que, par rapport au mariage et qu'elle est devenue vieille fille. Quand cette mission tombe, elle se retrouve sans confident. Avec personne à qui confier les douleurs. Ma ahlaki, tarantiya lama falu lama azimu khalas el shagl. Tahfi al ad lam yinsayir. Inshallah bukra hal arf ma tanasi, mish halu ruh al ikli balaki. Fiu balaya ma hada rayh matrah, hayj mashghul balik. Kif shakl? Jaw li li hala shouf. Le personnage principal, donc c'est cette femme, Noa, mais à plusieurs reprises dans le film, tout d'un coup, on change de focalisation et c'est sa sœur qui va donner son impression, qui va raconter. Pourquoi avoir tout d'un coup de faire un pas de côté et de donner la parole à un autre personnage? Il y a deux façons d'être personnage principal, à mon avis, dans un film. Et les deux sœurs sont les deux personnages principaux. C'est-à-dire que c'est le personnage à qui arrive la tragédie. Et à côté, il y a le personnage qui raconte la tragédie. Et ce sont deux façons d'être personnage principal dans toute structure dramatique. Et surtout en se référant à la tragédie grecque. Ou... Ces scènes avec les deux petites filles, oui. Je suis un petit voilà pendant un certain temps, et j'ai lu que vous étiez enfant justement dans à la fin des années 60. Oui, jeune garçon. Est-ce que ces deux petites filles voilà vous représentent vous quand vous étiez enfant, quand vous n'arriviez peut-être pas à tout comprendre comme ces petites filles? Voilà, c'est ça. C'est pas dans le détail, mais c'est vrai que c'est déjà assez important, assez curieux comme phénomène de transformation, de passer de l'âge de raison à l'adolescence. Alors quand ça se passe en contexte de guerre, quand on sortit dans le monde et subitement au lieu de sortir dans un jardin, c'est une jungle. C'est-à-dire on reçoit le monde quand même comme un lieu des horreurs. On reçoit les adultes comme des gens à double visage. Et tout ceci, c'est comme ça. C'est pour ceci que les guerres sont traumatisantes, en fait, et qu'il faut les dénigrer, qu'il faut... la question n'est pas dans le politique, la question elle est vraiment dans la chair et dans l'os et dans la mémoire. Et c'est une chose qu'il faut savoir éviter à l'être humain. Comment est-ce que c'est de l'autre côté? Dans quel sens je suis avec personne. Qu'est-ce que tu travailles? Nijar mobilier. شو جاي تعمل هون؟ متضايق شوي جيت لهون روق راسي اللي بالعاده اجي لهون مش عارف انه صار ممنوع هلا عرفت مرت الجاي روح بكي عند الماما حط بيتكم بامرك انا اللي عم تتنمرد وليه؟ كسخت منظرك ركيع يا خيي شو بك ما قلت لك بامرك ركيع Alors, la dernière partie du film se passe dans un hôpital psychiatrique. On retrouve tout d'un coup Noa, toute seule. Et la dernière scène du film... Vous dites tout, là. On claque une porte. On ne sait pas. Il faut voir le film pour savoir quelle est la dernière scène. Peut-être. Mais de toute façon... Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette... La fin du film, c'est le seul moment où directement l'auteur s'autorise un peu un point de vue. C'est-à-dire, ceux qui vont voir le film se sentent frustrés à la fin du film parce qu'ils ne veulent pas entendre ce que le film dit à la fin. On arrête le voyeurisme. Ce destin, ça y est, il est brisé. Et qu'est-ce qu'on veut savoir de plus? On a vu ce qui lui est arrivé. On sait qu'on a d'autres perspectives que peut-être cette paix, la paix du mutisme pratiquement, et que qu'est-ce qu'on veut savoir de plus? Le destin du personnage s'est arrêté, il ne va plus évoluer, il ne va plus rebondir.
Alors il n'y a plus d'autre histoire. Sinon, ça serait de la complaisance, sinon, ça serait du voyeurisme. Et c'est comme ça qu'on dit aux spectateurs un peu, on le renvoie, lui, comme la famille, comme les gens du pays, on le renvoie chez eux. Et ce personnage restera comme ça, un peu ce, ce rebiff, ou bien ce. Comment dire. Il gardera son énigme quand même. Il y a un peu de temps que tu as fait le nord. Ce film en fait fait partie d'une série de films, un triptyque. Et donc vous travaillez peut-être déjà sur le troisième. Alors qu'est-ce que ce sera Non, c'est un triptyque, oui. C'est un peu comme les triptyques dans l'art pictural, avec deux films de court-métrage et Balles perdues, le long-métrage. Il y a déjà le premier cours qui s'appelle La messe du soir et l'autre cours, l'autre pendant du triptyque qui s'appelle La chenille. Et c'est aussi un portrait de femme. Il y a des liens, mais dans la forme, c'est un portrait de femme. Ça se passe essentiellement sur une journée. Aussi, à une autre époque, plus récente. Et ça va encore raconter, peut-être, encore une autre optique, beaucoup plus sereine, sur cet âge-là, dans la vie d'une femme, et l'échéance mariage, et le rapport à la famille. Mais vraiment une autre optique, un peu plus sereine. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci beaucoup d'avoir bien regardé le film.